Salut Combini, ici Big Flo Oli, vous êtes en direct du Rose Festival. Alors le Rose Festival, c'est un festival qu'on a créé l'année dernière. Combini était déjà venu nous voir. Mettez un flashback. Je suis trop fier en fait, ça fait du bien d'être vraiment fier. En vrai, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce festival. C'est pour kiffer. Ouais. Cette année, on prend le contrôle de Combini et on change tout. Combini nous ont dit vous aviez carte blanche. Donc Combini va s'appeler Rosini. Combi rose. Combi rose, tu préfères? Combi rose. Et on change les couleurs, ça devient rose, violet et blanc. Et même, je veux dire, on va aller plus loin. La bonnette, on va la peindre maintenant, on la peint en live. Cette séquence est pitoyable. Combi rose, on y va, let's go! Les amis, on va voir notre artiste Hello Carré, c'est l'artiste de notre label. C'est la première fois qu'il fait un festival aussi gros, je crois qu'il se chie dessus, on va le voir en direct. Il est déjà... Il est plus là, c'est bon. Il est déjà plus dans sa loge, suis-nous, il faut aller vite du coup. On a réussi à le choper juste avant de monter sur scène. Ouais. Hello, quelques questions, tu sais qu'on est sur Combi Rose en direct. Okay, est-ce que tu as déjà fait un aussi gros festival? Non, c'est la première fois là. Première fois aussi gros festival et tout, la pression un peu, ça se voit. Tu penses à quoi là? C'est quoi qu'il y a dans ta tête là? Dis-moi tout. Non, là je veux tout casser là. Là je veux tout casser. Okay, là, excitation. Là, je suis chaud là, je suis chaud, excitation. Et à suivre là, ça va être très très fort. Hello, quel est ton rappeur préféré? C'est Drake. Ton animal préféré? L'écureuil. Ton animal préféré, ouais, c'est l'écureuil. C'est la classe. Putain, la street cred. La street cred. Mais c'est, je viens de trouver un truc brillant pour Combini. C'est le top 1 Fast and Curious, quoi. C'est juste très rapide et les gens ne doivent pas réfléchir. Sur scène là, dans 10 minutes on est en retard. Il y a Paul Mirabel avec nous là. Les amis, on monte sur scène là, on va faire le morceau avec Petit Biscuit. C'est Flo qui nous conduit. On est en retard de fou. Je suis là. Parce que je suis pas chanteur, je suis pas Petit Biscuit. Allez. On va voir le show de Gazo, on vient de finir Angèle. Et normalement je monte sur scène avec Gazo pour chanter Die, qui est une de mes chansons préférées de lui. Ça fait bizarre de monter sur un titre qui n'est pas le sien. Je crois que je l'ai rarement fait en fait. On va faire la photo officielle avec Gazo là. Il a mis ça, regardez comment le rose lui va bien. À qui d'autre? À qui d'autre? C'est collector ça. Dans 10 ans on va rigoler de celle-là. Ah parfait. J'ai plus de vous. Oh. Et on a chaud demain. On verra demain. À demain. 3, 2, 1, on est demain. Jour 2 de notre festival, Rose Festival, et aujourd'hui on a la chance d'avoir le légendaire Kalash Criminel qui vient faire une petite apparition surprise. Kalash, t'es venu spécialement à Toulouse? Spécialement pour le festival, que pour ça. Les gens ne sont pas au courant, c'est ça qu'il faut expliquer, c'est pure surprise. Quand il va débarquer, ça va être vraiment le feu. Et si je peux vous conseiller vraiment une cité à éviter, c'est Sevran RGT quoi. Vraiment. Je confirme. Voilà. Oh merde. À suivre les amis, Big Flo et Oli, Kalash Criminel, jour 2 du Rose Festival, let's go. Les gars, on est dans l'espace loge du festival, je vous montre un peu. Il y a que des gens qu'on adore, mais on va voir, il y a Paul Mirabel par exemple. Paul, un petit mot pour Combini. C'est le meilleur festival que j'ai fait. J'en ai fait qu'un, mais c'est le meilleur pour l'instant. Il y a mon père qui est là, papa, un petit bonjour à Combini. Combini, c'est les meilleurs médias que je connais. Bravo, et continuez comme ça. Ouais, c'est Combi Rose, pardon, putain, je me suis trompé. On va voir les équipes, parce qu'un festival, c'est pas que les artistes, c'est pas que les stars. Il y a des centaines de bénévoles, je crois qu'on est 600 bénévoles. Beaucoup de techniciens, beaucoup de gens, là il y a des gens qui font à manger, on va les voir.
Comment ça se passe le festival? Ça se passe super bien, il y a une super ambiance, tout le monde est adorable. Ça fait trop plaisir. Il y a quoi au menu là? Poulet, ça c'est falafel? C'est ça. Magnifique, ouais, merci beaucoup. On va voir, je crois qu'il y a Julien Granel qui mange. On sait qu'il saute beaucoup sur scène. Qu'est-ce que tu manges, Julien? Écoute, un petit poulet avec un petit boulgour et des petits poivrons. Tout est petit ou c'est juste pour dire petit avant chaque coup? Et maintenant, tu peux me suivre, on va dans la loge, on va se préparer. Là, on va se détendre un peu, se concentrer. On demande toujours une photo de Maradona, ça nous porte chance, comme notre père est argentin, si vous savez pas. Flo demande toujours un paquet de cartes Pokémon. Très important. Rendez-vous sur scène dans moins de 15 minutes. Échauffement de voix, petit coup de déo, petite concentration. Let's go. Allez, on y va. Tu sais ce que c'est là? Ça me fait penser aux joueurs de foot quand ils sortent du match. J'ai rien à dire d'intéressant à part vous dire que c'était incroyable. On est très heureux aussi de voir une ville qui n'est pas tout le temps médiatisée. On parle souvent de Paris, de Marseille. Aussi en musique, il n'y a pas que Big Flowly, il y a plein de rappeurs toulousains, plein de jeunes artistes qui poussent derrière. On va entendre parler de Toulouse. Et merci à Combini / Combirose de parler un peu de Toulouse, de nous avoir suivis. J'ai plus rien là. Mais on se revoit dans 10 minutes, je serai bon. Let's go. Plus fort, plus fort. Flo et sa golfette, c'est une histoire d'amour. Je vais la racheter, la golfette, je pense. Je vais la racheter en vrai. Mais on a le droit de conduire avec ça en ville, non? Dites-nous en commentaire, sinon je vais prendre ça et vous allez me croiser à Toulouse avec ça. On est sur un live TikTok là. Je rejoins mes potes en mode incognito, je vais kiffer la fin de la soirée. Gros bisous, on se voit demain. J'ai plus rien les gars, j'en peux plus. Les gars, on se dirige vers la scène avec Caballero et Jean Jass, on va prendre leur place. On pourra pas dire qu'on a pas bossé, franchement on fait plein d'happenings, on se donne pour ce festival mon frérot. Ces Combini nous suivent depuis le début, en vrai. Combirose, pardon. On a eu des bugs parce que je connaissais pas vraiment le titre, ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu. Et on remonte tout à l'heure avec M aussi. Donc on n'arrête pas les amis. Ça continue, je fais toujours cette même transition. On est tous de béton roux dans les tours d'ivoire, les chemins se croisent et sont contradictoires. On cherche des vrais frères de combat, comme si le destin l'avait écrit. Dans tous les cas, il y aura que l'amour qui nous aura. Je suis tombé dans quand j'étais petit. Et chaque fois que j'ai du mal. Les amis, ça fait bizarre, mais ça y est, après 3 jours avec le Combi Rose, on va finir et je vais laisser les caméras et aller profiter. Je vais aller en scred dans le festival, me balader, kiffer, parce qu'on l'a fait pour ça. Et je vais écouter de la musique, je vais relâcher la pression, parce qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup bossé. Donc voilà, merci de nous avoir suivis. À très, très vite, à l'année prochaine, j'espère. Gros bisous. Combi Rose.